C'est un établissement public qui a été créé en 1971. Mais avant, il existait le port de Douala. Et avant le port de Douala, il y avait le port du Cameroun depuis les années de l'époque allemande. Mais officiellement, c'est devenu un établissement public administratif en 1971. Et il regroupait l'ensemble des quatre ports du Cameroun qui existaient à l'époque. Le port de Garoua, le port de Limbé, et Limbé, le port de Kribi. Limbé, c'est un combinat portuaire constitué du port, de l'ancien port de Tiko et de Limbé. La mission essentielle d'un port, c'est de faire transiter la marchandise. Et celle de l'Office national de port du Cameroun, en termes de gestion, consistait à équilibrer son budget, c'est-à-dire à faire que les dépenses correspondent aux recettes. Avec le concept des ports autonomes qui vient par la suite, parce qu'il y a eu quatre ports autonomes qui ont été créés par la loi 1989. Bon, les ports devenaient des personnalités juridiques autonomes. Un établissement public est géré comme un établissement public. C'est un domaine public qui est géré selon les règles du management public. Et nous savons que le management public n'est pas souvent efficace, surtout dans le domaine des affaires et du commerce. Si bien que très tôt, on a cherché l'efficacité, on a cherché à être disons, à faire du bénéfice, on a cherché de la croissance, et tout ça, la réponse était que un établissement public ne pouvait plus répondre à la situation. Il fallait leur donner une certaine force nouvelle. C'est pour ça que, dans un premier temps, la loi sur les activités portuaires a procédé à la segmentation de l'Office national des ports du Cameroun, de telle manière que chacune de ces unités nouvelles devienne autonome et, avec le génie local, puisse donc s'épanouir mieux. Son histoire est très épique. C'est dans les années 75-80, lors des extensions du port de Douala, qu'il fallait moderniser pour répondre à la situation du commerce international, que l'idée a germé au niveau des dirigeants d'avoir aussi une plateforme multimodale de traitement de la marchandise. Et le terminal à conteneurs a été inauguré en janvier 1980 par le président Ahidjo, paix en son âme, et c'était considéré comme le fleuron du nouveau port de Douala. Il avait 2 hectares, il avait coûté à peu près 2 milliards de francs à l'époque, ce qui était énorme. Je veux parler du terre-plein seulement. Par la suite, il a été équipé
des grues les plus modernes. Par exemple, il y a eu un prêt japonais de plus de 4 milliards de francs qui a permis la formation de au moins une dizaine de manutentionnaires au Japon qui sont revenus. Malheureusement, ils ne sont plus en service à cause de l'âge et puis à cause du fait aussi que on n'en a pas tiré un très bon profit. On a équipé le terminal à conteneurs de deux rails de chemin de fer de plus de 2 km de long qui étaient entretenus par le port. Bon, la sous-traitance était exercée par la régie de chemin de fer. Et donc, il y a toutes les installations modernes qui étaient au terminal à conteneurs. Et tout ça, pendant des années, jusqu'en 2004, la date où Bolloré est arrivé, ça représentait déjà des investissements de l'ordre de 30 milliards de francs de CFA. Ce qui a permis donc, à l'époque de la concession DIT, qui est en fait la troisième phase. On a utilisé plusieurs modèles pour exploiter le terminal à conteneurs. Le premier modèle, c'était une sorte de fermage qui était uniquement centré par l'autorité portuaire de l'époque, l'ONPC. Mais très vite, il est apparu que l'autorité portuaire ne pouvait pas, par elle-même, suivre la coordination de toutes les interventions des différents acteurs. Parce qu'il y avait des arbitrages à constituer, des programmations, des affaires d'intervention pour assurer la maintenance du terre-plein. C'est le plancher sur lequel circulent les grues. Après, le port ne pouvait pas faire toute cette maintenance dans cette zone où intervenaient des acteurs de toutes sortes, dont il assurait seulement la coordination. On a essayé un autre modèle de gestion avec une entreprise qui s'appelait ITS. ITS, juste avant qu'on ne passe à la troisième phase, et c'est celle de la concession pleine. En 2004, l'État camerounais, qui disposait déjà d'un terminal à conteneurs, a pensé que de faire appel à des gens qui étaient des professionnels dans l'organisation, le fonctionnement des terminaux à conteneurs dans le monde pour obtenir un partenaire qui puisse venir à l'aider à tirer les meilleurs bénéfices de son terminal à conteneurs ici à Douala. Malheureusement, dans le casting final, il est tombé sur Bolloré. Malheureusement, pourquoi malheureusement ? Premièrement, peut-être que vous n'étiez pas encore fait en 2004, mais il y a eu une grande polémique parce que celui qui avait emporté le marché, c'était Progrosa.